On ne va pas se voir pendant un long moment. Je ne sais pas si tu as lu le journal, mais on ne parle que de toi. Ce fut une belle rencontre. Pour mon dernier match avec les Broncos, j'ai fait très fort. Je suis content d'avoir marqué. Dorénavant, toutes les portes sont ouvertes. Tu sais dans quel club tu as envie de jouer? On a eu des propositions de tous les grands clubs européens. C'est à toi de choisir. Nos dirigeants sont déçus de te laisser partir. Mais comme ils sont intelligents, ils ont compris que tu avais besoin de changement. Je n'ai pas encore décidé. Je vais peut-être d'abord aller en Espagne, mais je ne sais pas encore dans quel club. Ensuite, j'irai sûrement dans un autre pays, voir comment ça se passe. Tu as raison. Je voulais te dire... merci pour tout. Je serais jamais arrivé là sans ton aide. De rien, petit. Visite le monde et amuse-toi. Tu reviendras me voir plus tard. À la fin de ce championnat, nous saurons enfin quelle est la meilleure équipe européenne. Je vous rappelle que deux joueurs japonais ont été engagés par des clubs européens. Olivier Hatton, qui revient tout juste du Brésil. Et bien sûr, le plus grand gardien de but de la décennie. Je veux évidemment parler de Thomas Price. C'est la première fois qu'il se retrouve sur un terrain depuis la dernière Coupe du Monde. T'es prêt? Je peux tirer? Vas-y, tu me fais pas peur. Allez, Olivier! Monsieur? Pardon, monsieur. Excusez-moi. Nous allons atterrir si vous voulez bien attacher votre ceinture. Ah, oui, bien sûr. Ah, ce n'était qu'un rêve. Ce serait sympa de se retrouver sur un même terrain, Thomas et moi. Surtout si on joue dans des équipes concurrentes. Qui sait, ça se passera peut-être. J'ai encore pas mal de progrès à faire. Ça va me faire du bien de jouer avec les Européens. Et quand je retournerai au Japon dans quelques années, il n'y aura pas de meilleur footballeur que moi. Alors courez vite acheter la crème du tigre. Idéale pour les peaux à tendance acnéique. Vous ne le regretterez pas. C'est la quatrième publicité que je vois avec Marc depuis lundi. Oui, bonsoir. Allô? C'est toi, Olivier? Allô, oui. Oui, je viens juste d'arriver à Barcelone. En Espagne? Bah oui, en Espagne. J'ai décidé de visiter l'Europe et voir si je peux me faire engager dans un club. Oh, c'est génial. J'adorerais voir Paris. Comment ça va là-bas? Je vais te donner des nouvelles des copains. Bruce et la bande vont sûrement se qualifier pour le championnat junior. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre?
Ah oui, Mark Landers va jouer dans un club italien et on n'arrête pas de le voir dans des pubs à la télé. Quoi ? Ici, tout le monde ne parle que de ça. Ce transfert, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Tu te rends compte ? Son agent a réussi à le faire sponsoriser par une agence de pub. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi souvent à la télé. Et encore, tu connais pas la meilleure ? Il paraîtrait que la Juventus aurait déboursé une petite fortune pour se l'offrir. C'est le transfert le plus cher de l'histoire du football japonais. Avant, c'était la propriétaire de l'équipe de la Tour. Elle a bien fait de changer. J'ai entendu dire que les pourparlers avec les Italiens avaient commencé avant même la finale de la Coupe du Monde. Elle est très douée pour vendre son poulain. À qui le dis-tu ? Je connais quelqu'un qui a participé aux concertations. C'est une dure à cuire. En affaires, elle est pire qu'un requin. Landers a bien fait de l'engager. S'il suit ses conseils à la lettre, dans 10 ans, il aura des millions sur son compte en banque. Et on verra sa tête partout dans les journaux. Quant à elle, avec le pourcentage qu'elle se prend, elle aura de quoi s'offrir une retraite bien méritée au soleil. Ça va être l'heure d'y aller. Te voilà dans la cour des grands maintenant. Je compte sur toi pour te comporter en homme calme et civilisé. Je vous remercie. J'apprécie tout ce que vous faites pour moi. Si vous ne m'aviez pas repéré il y a 4 ans, je n'aurais jamais fait partie de la Tau. Or, c'est là-bas que tout a commencé pour moi, et c'est à vous que je le dois, alors merci. Faux, tu ne me dois rien du tout. Au contraire, c'est toi qui m'as permis de changer de vie en me lançant dans cette passionnante nouvelle carrière. Et si tu n'avais pas de talent, ces Italiens ne t'auraient pas offert un pont d'or. Mais je suis mort de trac. Combien de fois faudra-t-il te le répéter, mon petit Marc ? Tu dois apprendre à avoir confiance en toi. Tu entames une nouvelle vie et comme tu ne sais pas très bien où elle va te mener, tu as la frousse. Moi aussi, j'ai quitté mes parents quand j'avais ton âge. Et je dois dire que ça m'a plutôt réussi. Allez, viens, c'est l'heure. Je vous suis. Landers a fait des prodiges sur les terrains japonais, mais en Italie, ce sera une toute autre histoire. Tu m'étonnes. Les Italiens ont mis en place une technique de défense qu'ils ont appelée catenaccio. Mais ça veut dire quoi ? Cadenas. Autrement dit, la défense est particulièrement bien verrouillée. C'est l'enfer pour les attaquants d'en face. Ici, au Japon, c'est surtout le goal qui garde le but, alors que là-bas, c'est toute l'équipe qui s'y colle. T'as pas regardé leur dernier match à la télé, samedi soir ? C'était hyper impressionnant. J'aurais pas voulu être en face. Si je comprends bien ce que tu dis, Mark Landers, qui est le roi des attaquants, a choisi d'entrer dans un club qui pratique ce jeu. Moi non plus, j'en suis pas revenu. Quand on parle du loup... Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. Nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour que M. Landers puisse faire une déclaration. Vous savez déjà qu'il a été choisi pour devenir membre de l'un des plus prestigieux clubs transalpins. M. Landers, c'est à vous. J'ai toujours rêvé de devenir le meilleur joueur de foot du monde et c'est pourquoi, quand la Juventus m'a fait cette proposition inespérée, je me suis empressé d'accepter. C'est un grand honneur pour moi de jouer chez les pros. À mon retour, je serai le meilleur. Je sais bien que ce sera difficile, mais je sais que je peux le faire. À la fin du championnat italien, c'est moi qui serai élu meilleur buteur. C'est dingue, ça. Comment est-ce qu'il s'est débrouillé pour se faire engager par la Juventus ? En tout cas, bonne chance avec les Espagnols. Merci. Quel que soit le club que tu choisis, je reste ta plus fidèle admiratrice et ton soutien inconditionnel. C'est toi le meilleur. T'es mignonne. Dès que je sais dans quel club je joue, je te passe un coup de fil. D'accord. À bientôt. Je t'embrasse. Marc va jouer en Italie ? Chouette, on va se retrouver. Oh. Ce maillot, ça me donne la chair de poule. Dites-moi, jeune homme, vous cherchez un taxi ? Oui, merci, monsieur. Qui c'est le type sur l'affiche, là ? Vous voulez parler de Rivaul ? Vous pouvez me conduire au stade, s'il vous plaît ? Pas de problème ! Ça, c'est la Sagrada Familia, le chef-d'œuvre gothique d'Antonio Gaudi. Ça vous plairait de voir la tour de Colomb ? Si ça ne vous dérange pas, je préférerais le stade. Hein ? D'accord. Ah, je voulais juste vous faire visiter un petit peu la ville. Qu'est-ce que vous dites à ça ? C'est impressionnant, non ? Vous avez devant vous le plus grand stade d'Europe. Ici, les fans l'appellent le Nou Camp. Il est célèbre dans le monde entier. Le Nou Camp.
Quoi? Olivier Hatton, le buteur des Broncos? Il est là? Soyez le bienvenu au New Camp, monsieur Hatton. Vous savez que vous êtes très célèbre chez nous. J'ai un petit neveu qui a vos posters sur tous les murs de sa chambre. Il vous adore. C'est un honneur pour moi de faire votre connaissance. Venez avec moi, je vais vous faire visiter nos locaux. Je suis sûr que vous en mourrez d'envie. En effet, monsieur, ça me ferait vraiment plaisir. Cette saison, on a remporté le championnat espagnol. Et pour couronner le tout, on a disputé la finale dans ce stade devant 120 000 personnes complètement déchaînées. Excusez-moi. Oui, quoi? Depuis que j'ai atterri, je ne pense qu'à une seule chose, c'est voir le terrain. Vous me montrez où il est? Mais oui, bien sûr, suivez-moi. C'est par là. Et voilà! C'est le stade que j'ai vu en rêve. Pas de doute, c'est bien celui-ci. Si vous êtes amateur de football, c'est ici que vous devez vous installer pour avoir la meilleure vue sur le match en cours. Le stade a été agrandi en 1982 et sa capacité est de 120 000 personnes. C'est surtout la maison de Rivaul. C'est ici qu'ils s'entraînent depuis de nombreuses années. Pinto, fiche le camp, je t'avais pourtant interdit de revenir ici. Viens là! Arrête! C'est ici que je veux être. Mais de quoi parlez-vous? Je veux jouer dans votre club. Oh, oh, oh. À l'avenir, ne le perds pas! C'est ton meilleur ami! Mais enfin, t'es qui, toi? Je m'appelle Olivier. L'année dernière, j'ai fait partie des Broncos, l'équipe de Sao Paulo. Et cette année, avec un peu de chance, je vais jouer au Barça! Olivier, attends, mais bien sûr! Bienvenue en Espagne! Olivier! Attends! Tu me donnes un autographe, s'il te plaît? Je le connais, ce ballon. Oui, tu me l'as renvoyé tout à l'heure quand il m'a échappé des mains. À partir de maintenant, entre toi et moi, c'est à la vie à la mort, je suis ton fan numéro un. Merci, c'est gentil. C'est toujours agréable de savoir qu'on a un admirateur sur lequel on peut compter. C'est quoi ton nom? Tous les gens qui me connaissent m'appellent Pinto. Voilà, Pinto. Ravi de te connaître. Merci beaucoup. J'avais oublié que vous, les Japonais, vous n'écriviez pas pareil que nous, les Espagnols. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir me voir, Dak. Dak. Justement, j'aimerais bien assister à l'entraînement des joueurs du Barça. Tu ne saurais pas où ils sont, toi qui connais tout sur tout? Alors ça, c'est trop facile. Le problème, c'est que les joueurs de l'équipe première sont sur la route, ils ne sont pas encore entrés. Il y a ceux de la réserve qui sont juste à côté. Quant à l'équipe des jeunes, elle passe sa vie là-bas. Si vous voulez aller les voir, ça ne pose pas de problème. Merci, c'est très gentil. Allez, je t'y conduis. Dépêche-toi. Ça en fait du monde. C'est normal, ils prennent leur rôle très au sérieux. Ils veulent tous faire partie de l'équipe première un jour. Moi aussi d'ailleurs, hein, c'est mon rêve le plus cher. Les entraîneurs ici, ils sont pas commodes. Le Barça a une réputation à tenir. Les meilleurs joueurs du monde sont passés par chez nous. Il y a bien une raison. Oh. Tu ne t'es pas fait mal? Tu peux te relever? Qu'est-ce qui vous prend, Gonzalez? Vous êtes fou? C'est pas moi, c'est Omira qui lui a fait un petit tacle. On lui a dit qu'on le recommanderait auprès du sélectionneur de l'équipe première si jamais il arrivait à nous mettre un but, mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est provoquer Omira. Alors évidemment, mon copain s'est défendu. Lequel d'entre vous a envie de continuer à relever le défi, hein?
C'est votre billet pour passer dans l'équipe première, alors décidez-vous. Oui, moi, je suis volontaire. Oh, mais t'es malade, Serrano, ils vont te dévorer tout cru. Très bien, mets-toi en place qu'on en finisse rapidement. Allez, sois pas timide, essaie de t'infiltrer dans notre défense. Essaie. J'y vais. Non. Reposez-vous, les gars, je me charge de lui. Chouette, ça en fait déjà un de moins. Oh. Non, c'est une ruse. Tu n'iras pas plus loin. Ces trois-là, ils jouent en équipe première. Il y a Gonzalez, Clemente et l'autre, c'est Aomiha. Ils se sont blessés récemment, alors ils ne participent pas à tous les matchs. Apparemment, ils vont beaucoup mieux. On va pouvoir les réintégrer. Tant mieux, parce que sur le terrain, ils sont indispensables. Alors les filles, qui d'autre veut essayer? Non merci, j'ai pas envie de rester à l'infirmerie jusqu'à Noël. Je suis footballeur moi, pas boxeur. Personne veut se retrouver avec le genou en compote. Moi, je suis volontaire. Hein? T'as perdu la tête? Je souhaite relever le défi, messieurs. Qui tu es, sale microbe? De quel droit tu t'adresses à nous? Je vous présente Olivia Ton et c'est moi qui l'ai fait entrer pour la simple et bonne raison qu'il va jouer au Barça la prochaine saison. Serrano, tu veux bien lui prêter tes chaussures quelques minutes? Il te les rendra dès qu'il aura terminé. Oui, bien sûr. Je le connais, il a joué à Sao Paulo l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de place de libre dans l'équipe première. S'il est engagé, l'un de nous devra faire ses valises. Je me demande bien qui va devoir trouver un autre club. Bon, d'accord, ce ne sont pas mes chaussures habituelles, mais tant pis, je vais devoir faire avec. On va jouer à 1 contre 3. Faux. On sera 3 contre 3. Le ballon, le terrain sont de mon côté. Je les considère comme des alliés. Arrête de sourire bêtement, ça me tape sur les nerfs. Mets-toi plutôt en position. D'accord. Dis-toi que c'est un vrai match. Et c'est parti. Ce soir, proche, on va te donner une leçon. Tu regretteras pas d'être venu. On va juste vérifier que t'as bien tout ce qu'il faut pour devenir membre à part entière du plus grand club du monde. S'ils veulent la bagarre, ils vont la voir. Ils me font pas peur. Si ça vous dérange pas, j'aimerais m'occuper de ce garçon. Il me bloque le passage. Tant pis, je vais passer à côté. Bien joué. Cette feinte-là, tu l'as apprise des Brésiliens. Mais je connais la parade. Il y a faute, Clemente n'a pas le droit de toucher Olivier. Il est complètement coincé. Clemente est connu pour plaquer son adversaire. Les journalistes ont baptisé ça la tactique du boa parce que ça étouffe le joueur adverse. Olivier, dégage-toi! Il n'a pas le droit de faire ça. S'il y avait un arbitre, ça ferait longtemps qu'il aurait sorti son carton jaune. Oh! Il sourit. Ça ne l'impressionne même pas. Faut en avoir du cran pour continuer. Il refuse de laisser tomber. Tant pis pour lui. Message reçu. Il y a une ouverture sur sa droite. J'en profite. C'est génial, il a réussi à passer à tous les coups. Il va marquer. Raté. Attention. Ils l'ont fait exprès, c'était un piège. Eh oui, mon gros, c'est comme ça qu'on défend son but en Europe. T'aurais dû te renseigner avant de venir. Ah, c'est pas vrai. Il saute. Oh, pas mal les réflexes. Pour éviter le tac, il n'a pas trouvé d'autre solution que sauter. Une minute. L'affaire n'est pas terminée, mon bonhomme. Voilà la suite. Le ballon est à moi. Désolé. Je rêve. Tu es beaucoup trop sûr de toi, mon gars. Le trio défensif de l'équipe première ne lâche jamais sa proie, apparemment. Mais si vous voulez le ballon, il va falloir venir le chercher. Ouais, c'est bien parti. Olivier a perdu l'équilibre. Il n'est pas à l'aise avec des vieilles chaussures. Ah, alors on fait moins le malin maintenant. Le terrain et le ballon sont mes meilleurs alliés. À moi! Attention, ce tacle-là, il va faire des dégâts. Gonzalez, je t'interdis de lui faire du mal. Attention! Il prend ça trop au sérieux. Tu ferais mieux de retourner au Japon. Pas question, c'est pas à toi de décider. Quoi? Oh non!
a fait? Il ne manque pas de courage, ce petit. Il a plongé droit sur mes crampons. Accroche-toi. Hein? C'est pas vrai! Impossible! Il va tirer! Ce sera mon premier but sur un terrain espagnol! C'est formidable, Olivier, t'as réussi à marquer un but! Bravo! Je suis content d'avoir ton autographe! Il est génial, ce type! J'arrive pas à croire qu'il ait fait un tir retourné! Ça va, petit? Pas de bobo? Non, non, ça va, je tiens encore debout. Oh. Bienvenue dans l'équipe, Olivier. Oh. C'est très gentil. Gonzalez! Ce jeune homme a réussi à percer ta défense. Les Broncos ont fait du bon boulot, je le reconnais. C'est une très bonne recrue. Merci beaucoup. Je serais quand même plus tranquille si vous alliez faire un petit tour à l'infirmerie, on ne sait jamais. Je ne peux pas vous engager si vous êtes blessé. Ben c'est normal. C'est de la graine de champion, ce petit. Quand il était au club de Sao Paulo, il portait le numéro 10, non? Eh, c'est lui. Je serais curieux de savoir pourquoi il a quitté les Broncos et pourquoi il est venu chez nous. Hein? Je reconnais qu'il a beaucoup de talent pour un garçon de son âge. Mais ils ne vont quand même pas virer quelqu'un pour lui donner une place en équipe première. Je connais qu'ils vont bouder quand ils vont rentrer. Mais quand même, si jamais il intègre l'équipe et qu'il joue en milieu de terrain, je sais pas si vous vous rendez compte, on aura deux sacrés champions côte à côte. Notre petit prodige japonais est le meilleur buteur du championnat espagnol de l'année dernière. Je veux bien sûr parler de Rivaul, celui que la presse a baptisé l'aigle catalan, notre maître à tous. Dans le prochain épisode, nous irons retrouver Mark Landers, qui a eu la chance de se faire engager par la Juventus de Turin. Au début, il va avoir un peu de mal à se faire accepter par ses nouveaux coéquipiers. C'est surtout Willem qui va lui donner du fil à retordre. Mais Marc est bien décidé à être élu meilleur buteur de l'année à la fin du championnat italien. De son côté, Olivier cherche sa place au Barça. Chacun de nos deux héros se voit offrir une belle carrière. À bientôt pour la suite de leurs aventures! We'll be right back.